Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Attends, c'est produit terminé, il y a des choses qui m'ont été envoyées, il y a des choses que j'ai achetées. Première chose que je te montre, c'est cette lessive persil. Avec le look, ça fait pas. Oh mon dieu, chérie, tu as encore fait une tâche. Grâce à ma lessive persil, j'ai pu nettoyer toutes les autres. Tu pourras retourner à ton boulot qui te ramène beaucoup d'argent dans le tertiaire avec une nouvelle cravate toute propre. Bon, est-ce que tu veux un petit peu de persil sur tes haricots? Je l'avais pris parce que c'était marqué amande. Et j'ai surtout pas cherché que c'était marqué savon de Marseille. Je suis pas très fan du savon de Marseille, je suis pas très fan de l'odeur. Quand j'ai vu amande, je me suis dit ça allait sentir l'amande, mais ça ne sent pas du tout l'amande, ça sent le frais. J'ai adoré cette lessive. Alors on est bien d'accord, hein, vous me connaissez, vous savez, j'ai un problème avec les lessives et tous ces trucs-là. Complètement folle, complètement tarée. Non, je suis pas tarée, mais j'aime énormément tout ce qui est produits ménagers. Cette lessive-là, franchement, je l'ai vraiment aimée. Je pense quand même que je la rachèterai, il faudrait que je m'en rappelle. Parce que si vous êtes comme moi, vous vous dites, tiens, je vais tester ça. Est-ce que vous faites comme moi, genre. Des fois, je passe pour une fétichiste de la lessive. Bref, j'ai aimé cette lessive à l'essayer. Elle est hyper chose. Forcément. Cette fois-ci, c'est un adoucissant. Donc, c'est de la marque Cajoline dans la gamme EcoCert. Donc, c'est Cajoline, mais écologique à l'ylang ylang. Je l'avais pris parce que c'était à l'ylang ylang et c'est une odeur que j'adore. Alors, je rachèterai pas. Il y a un arrière-odeur, un peu, c'est pas Malénor envolé d'air frais. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mes produits terminés, sachant que je vais pas réussir vraiment à en parler comme il faut, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Jean Charles raffole de ce genre de truc. C'est pas le truc à tonton, ça. Je me moque, mais en réalité, je trouve que ça sent bon. Ça me fait penser à plein de choses, ça me fait penser à mon père, il y a toujours eu des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut parler du parfum Scorpio? C'est l'après-rasage, mentholé et tout. Donc cette fois-ci, c'est le Skin Bracer. Ils en font tellement, tu sais, plutôt au bout. Ne me demandez pas pourquoi il y a un coton-tige. Hein, c'est quelque chose que seul Jean-Charles connaît. Il aime bien. Ça coûte pas très cher. Ça lui suffit. Voilà, il n'est pas très compliqué. Il aime bien les produits qui sont de meilleurs compos. Mais ça ne le dérange pas non plus d'utiliser ça. Mais je vous avoue que... Allez, je vais vous dire quand même... J'aime bien cette odeur. Celui-là sent bon, il sent bon. Écoutez, c'était pas, voilà, il n'y a pas forcément besoin de prendre des produits qui coûtent hyper cher. Il y a beaucoup de choses qu'on achète en grande surface qui sont satisfaisantes. Et des produits Ménène, enfin, ces trucs-là, c'est vieux comme les rodes. Putain, ça y est, j'utilise les expressions de mes parents, c'est terminé. J'ai passé un cap. Et en plus, je parle des produits que mon daron utilise. Bon, on est bien, mais en tout cas, bon, bref, il a aimé, hein, parce que le truc, il l'a rincé. Bon, alors, vous savez, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais présenté pas mal de bougies, je les ai toutes rincées. On est bien d'accord, c'était une vidéo qui datait de décembre, j'ai plus une seule bougie. Celle-ci, c'était de la marque Fringle. C'était la Comfy Sweater. C'était une odeur très cocon, très bébé, très... Tu sais, un peu limite comme... très poudrée en fait. Une odeur très poudrée. Comfy Sweater, c'est, tu sais, les films en... Les pulls en mohair, là, en... Voilà, bref, t'auras compris. J'ai adoré cette bougie. Elle était vraiment... ça sent un peu le savon. Et j'ai rien à dire. Franchement, alors, je dis pas que je rachèterai parce que, bon, elle coûte quand même pas mal cher. Et en été, je mets pas trop de bougies. Mais je retiens le nom quand même parce que je trouvais que elle avait ce côté... comment dire, réconfortant. En parlant de bougies, par contre, il y en a une qui nous a vraiment déçus, c'est celle-ci. Pourtant, Dieu sait qu'elle n'était pas... C'est la crosse. Pareil, je vous en avais parlé en vidéo. Hein. Elle sentait bon, hein, franchement. Et c'était la Vanille and Wood. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas, on n'a pas pu la terminer. Donc, on pourrait récupérer la cire. Tu me diras, mais oui, je suis bête, je vais récupérer la cire pour la faire brûler dans un petit brûleur, là. Mais regarde... Enfin, tu vois le truc commencer à brûler? Franchement décevant. Et elle est pas donnée cette bougie. Eh ben j'ai terminé une crème Noc Aquilée. Je vous en ai déjà parlé maintes fois. C'est la seule crème qui fonctionne sur moi pour le problème de frottement de cuisse qui fait vraiment mal. Donc la Noc Aquilée, je vous la recommande vraiment de tout cœur. Si vous voulez mettre des robes et que vous avez les cuisses dodues ou pas, que dans tous les cas, peu importe, que ça frotte et que ça brûle, je recommande uniquement et seulement cette crème là, je mets le lien tout en dessous. Ah, j'ai terminé un de mes parfums chouchou qui est le Eau des Merveilles de chez Hermès. Il reste encore? Oui, il reste un tout petit peu là. Attends. Ah, j'en ai dans la bouche, putain, j'avais trop mis. Ah la conne. Ah, attends. C'est un parfum incontournable selon moi pour cette femme.
de caractère, cette femme qui en envoie, cette femme, c'est très agrumé, c'est... Ouais, c'est un peu limite héliotrope, enfin je sais pas, en tout cas c'est, il est extraordinaire, extraordinaire. Et tous les parfums de Hermès sont extraordinaires selon moi. Eau des Merveilles est très très particulier, il ne va pas à tout le monde et c'est ce qui fait que tu te trouves si exceptionnel quand tu le portes. Et il est d'un délice en automne. En cette période-là, il se porte plutôt le soir parce qu'il est quand même assez fort. À aller le sentir, juste aller le sentir et... Vous voyez le plaisir, rien que je l'ai là, c'est cette eau des merveilles, voilà, ce truc qui, quand tu te vaporises, t'as l'impression qu'il se passe quelque chose de magique, tu t'en sens en petite fille, là, que tu... Il y a quelque chose de très léger, en même temps de très enveloppant, et c'est de la bombe. Je regarde le pif. Non, en fait, je choisis, hein, clairement. Ah, ça, ah oui, ça, je vous en parle. Alors, c'est la marque SVR. Écoute, si... Je te dis que je ne l'ai pas aimé, je ne pense que tu ne comprends pas. Alors, c'est un des masques qui m'a le plus convaincue de tout ce que j'ai pu tester jusque-là. C'est le masque Sensifine de SVR. Donc, c'est un masque qui est pour donc, les peaux intolérantes, allergiques. Et c'est un masque hydratant, apaisant, extrêmement confortant. Je ne sais pas comment t'expliquer en fait, c'est-à-dire tu l'appliques, ça te fait tu le mettais en cataplasme, tu laissais poser soi-disant 10 minutes, moi je le laissais souvent toute la nuit. Le lendemain, ta peau, mais laisse tomber. C'est un masque qui est extraordinaire. C'est un masque que je conseille à toutes les personnes qui ont en plus des intolérances parce qu'il est formulé pour. Cette texture avait un côté hybride parce que c'est hydratant, apaisant, mais c'est-à-dire que quand tu l'as appliqué, que tu laissais poser, au bout d'un moment, quand tu passais tes mains pour, par exemple, réappliquer le produit, il s'était quand même un peu transformé en formule huileuse. Donc, je comprends le côté, en fait, hydratant, apaisant, c'est-à-dire qu'il avait un peu un effet qui se coule. C'était un truc hybride. Il est extraordinaire. J'ai terminé cette crème de chez Baija. C'est une crème qui sent extrêmement bon. Donc là, bon, y a plusieurs gammes, mais moi, c'est celle à la fleur de tiare. Ce que j'aime bien dans ce produit-là, c'est la longévité de l'odeur, c'est-à-dire ça sent bon très très longtemps sur ta peau. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est au niveau de la pénétration, c'est plus long. Mais pour autant, elle est quand même relativement nutritive, donc on ne lui en veut pas. On sait, hein, quand on connaît ces produits, après c'est j'ai le temps, j'ai pas le temps, voilà. Mais voilà, c'est vraiment une crème pour le corps. Alors ça existe aussi pour les mains, enfin voilà, j'en avais acheté une aussi pour les mains. C'est vraiment un très très bon produit, vraiment très très agréable. Et là c'est un 75 ml, j'ai mis du temps pour l'utiliser et j'adore. Si vous aimez toutes les odeurs de monoï, de tiare, de machin, mais qu'en plus vous voulez que ça reste, allez chez Baija, vous serez pas déçus du tout. J'avais acheté de la marque Bout de Soie ce produit qui est un démaquillant en fait. C'est un démaquillant, smoothie démaquillant à l'ananas caramélisé. Donc alors quand tu lis ça, ananas caramélisé et espuma de vanille avec un packaging tout à fait vintage, tout à fait attirant. Sans compter que c'est dans une boîte métallique magnifique. Ah bah ça ne donne qu'envie de l'acheter. Alors, c'était pas donné. Ça sent extrêmement bon. Mais alors, niveau efficacité, j'ai même pas réussi à le finir en fait parce que je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce produit, même au niveau du visage, même. Alors bon, peut-être que c'est parce qu'à l'époque je me maquillais un peu plus, mais l'odeur est à tomber, mais c'est tout en fait. Et je trouve ça très cher pour. J'étais contente de l'avoir acheté, mais finalement, avec le recul, je trouve ça très cher. Je trouve qu'il y a des meilleurs produits sur le marché. En plus, c'est que pour le visage. La dimension marketing et le côté olfactif est extraordinaire, mais j'ai pas tellement accroché au produit, vous voyez. Donc, et je termine cette vidéo avec un produit pour le corps qui m'avait été offert par mon cher et tendre, qui est le concentré de lait de chez L'Occitane, qui est la gamme... J'ai bugué. Raffermissante. C'est pas du tout pour le côté raffermissant que c'est parce que ça sent l'amande. C'est une gamme extraordinaire. C'est un lait en fait. Si tu veux, ce concentré de lait, c'est un lait un peu plus épais qui laisse un voile soyeux sur ta peau,
une odeur, mais à tomber, qui reste. Et puis, bon, le packaging très, très provençal, très, très l'Occitane, très élégant, très... L'Occitane, c'est pas une marque vers laquelle je vais régulièrement, mais cette gamme-là, je peux pas nier, elle me donne envie de la bouffer. Enfin, ça sent la colle Cléopâtre, clairement. Et tu sais que moi, je te recommande beaucoup de trucs à l'amande. Il faudrait que je fasse une vidéo spéciale produit à l'amande, en fait. Et... ce produit-là, en fait, bon, il y a plusieurs produits. J'ai eu la crème pour les mains, etc. C'est un... Je ne peux pas me lasser. Et je l'ai défoncé en peu de temps, en fait. Je l'ai défoncé en si peu de temps. J'ai abusé, limite, j'étais récurée comme ça. Enfin, tu vois, c'est un très, très bon produit. Ça, c'est pas donné, hein, mais... donc, ils disent que c'est ça aide pour le relâchement cutané, pour les cuisses, etc. Ouais, bon, moi, c'est vrai que je le fais pas vraiment pour ça. Je le faisais surtout pour me dire, putain, je sens trop bon l'amande et tout. Enfin, vraiment, la gamme, l'amande de l'Occitane, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Voilà pour ça. Elle a fait une bêtise. Voilà pour cette vidéo, produit terminé numéro 2. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez aussi testées, quel est votre avis, etc. Je regarde depuis tout à l'heure, mais en fait c'est là. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse, je vais aller faire à manger. Oui, parce que comme vous le savez, il faut du persil. Et... bordel en bas, elles sont mes... je vous souhaite une très belle journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur les réseaux. Mouah.